J'ai percé sur TikTok. Je reviens aujourd'hui avec, t'as vu le titre, c'est une petite story time. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai percé sur TikTok. Qu'est-ce qui m'a fait percer sur TikTok? Ce qui m'est arrivé sur TikTok est absolument ouf en fait, donc il fallait vraiment que j'en fasse une vidéo. Déjà il faut savoir que je suis sur TikTok depuis environ 2 ans. J'ai posté ma première vidéo sur TikTok en mai 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans. Donc c'était sur mon tout premier compte TikTok. Mes deux premiers comptes TikTok ayant été ban. Donc le premier en 2021 et le deuxième en 2022. Le 22 mars, j'ai fait un troisième compte et j'ai sorti mon premier TikTok dessus. C'était un TikTok sur Kev Adams. Comme tu dois savoir très certainement, je suis allée voir McFly et Carlito en concert le 31 mars. Et dans la nuit du 31 mars au 1er avril, je suis rentrée à pied de chez moi. Et quand je suis rentrée à pied, voici ce qui s'est passé. Mec qui est en train de me suivre. Il y a un mec qui est en train de me suivre. Pour tous les gens qui disent que je suis trop moche pour me faire aborder dans la rue, il y a un mec qui est en train de me suivre. Mais genre, il est en train de me suivre, mais quelque chose de bon. Je vous le dis, moi. Comment il est en train de me suivre? Je commence à flipper. Regardez, vous le voyez là? Il est là, il est en train de me suivre. Je crois pour l'instant, il n'a pas vu que j'étais en train de filmer. Mais bientôt, je vais filmer. Ah, ça y est. Il a enfin changé de trottoir. Du coup, je vais attendre un peu avant de changer de trottoir pour aller à mon appartement. Putain, il est en train de me... Il est encore en train de me suivre. Il est en train de se diriger vers mon appart. Je suis à 200 mètres de mon appart. Il est de l'autre côté, en train de me suivre encore. Je crois que je vais tourner à la prochaine rue, le temps qu'il se barre. Parce qu'il est en train de me suivre. Bon, ce qui est bien, c'est que mon immeuble, il est... sécurisé, du coup il peut pas rentrer. Il faut une clé, un pass pour rentrer. Du coup je vais essayer d'accélérer, de marcher un peu vite pour voir s'il accélère aussi. J'ai déjà préparé ma clé, comme ça je rentre, comme ça il me cala pas. Il est en train de me regarder, il est à l'autre bout, il est là-bas, vous voyez là, il est là, il me suit encore. Il me reste 20 mètres. Après j'ai un passage clouté et après je suis à mon immeuble et je vais essayer de marcher plus vite. Il me suit depuis le boulevard Mercadet, je sais pas si vous réalisez là, mais depuis le boulevard Mercadet il me suit. Je vais voir s'il part. Putain, il part pas, je pensais qu'il allait tourner dans la rue, mais il tourne pas dans la rue. C'est une grosse blague. Faut que je traverse là, je commence à flipper. Donc faut savoir que quand j'ai posté cette vidéo, j'avais 60 abonnés. Et mon TikTok qui avait eu le plus de vues avait à peu près 2000 vues. Pendant 15 jours, pendant 2 semaines, personne n'a vu la vidéo. Personne, d'accord? Personne n'a vu la vidéo. Et puis, à partir du 16 avril, la vidéo, elle a explosé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais la vidéo, elle a explosé à partir du 15 avril. De 60 abonnés que j'avais au départ, je me suis retrouvée à 1800 abonnés. Et pour les vues, 465 000 vues. Donc déjà, c'était énorme. Déjà, le fait d'avoir 465 000 vues, pour moi, c'était énorme et... J'ai explosé, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. J'ai explosé d'un coup, c'était absolument incroyable. Quand la vidéo a explosé, toutes les heures, je gagnais 100 abonnés par heure. 100 abonnés par heure sur TikTok. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme en fait. J'avais gagné donc 4000 abonnés en un jour. Je suis passée de 1800 à 4900 abonnés. Et le 17 avril, ma vidéo a fait 1 million de vues. 1 million de vues. Et depuis le 17 avril, donc ça fait presque 2 mois maintenant, ma vidéo, elle continue de tourner. Parce qu'il faut savoir que dans les pour toi, les vidéos, elles tournent. Et elle tourne pendant 3 mois. Donc là, ça fait déjà 2 mois. Donc là, depuis, je fais que gagner des abonnés. Constamment. Le 19 avril, j'étais à 7000 abonnés. Le 21 avril, j'étais à 8000 abonnés. Le 23 avril, j'étais à 9000 abonnés. J'ai gagné 1000 abonnés tous les deux. Je gagnais 1000 abonnés par jour. Le 26 avril, j'ai passé l'énorme cap des 10000 abonnés. Et c'était incroyable. J'ai même pas les mots en fait pour expliquer, c'était un truc de malade. J'ai gagné donc en moins d'un mois, j'ai gagné 10 000 abonnés. Évidemment, ma vidéo a continué de tourner. Donc comme depuis le 26 avril, j'ai 10 000 abonnés, depuis le 26 avril,
j'ai le droit de monétiser mes vidéos. Donc je vous rassure, j'ai gagné 17 euros. Depuis le 26 avril, donc j'ai activé les fonds de créateurs. Le 14 mai, j'avais 13 600 abonnés et 3 millions de vues. J'ai atteint le 14 mai, donc un mois et demi après le... après que la vidéo a été postée, j'avais 3 millions de vues. Et donc là, actuellement, je suis à 18 700 abonnés, un truc comme ça. Et 3 700 000 vues. Alors évidemment, pourquoi la vidéo, elle a fait 3 millions de vues? Elle a fait 3 millions de vues parce que il y a les gens qui considèrent que je suis trop moche pour me faire agresser. Et donc là, en l'occurrence, me faire suivre dans la rue. Il y a les gens qui pensent que c'est un poisson d'avril parce que justement, la vidéo, elle date du 1er avril. Donc les gens pensent que c'est faux. Alors qu'en fait, c'était dans la nuit du 1er avril. Donc c'était pas encore le 1er avril, parce que c'était la nuit du 31 mars au 1er avril, donc c'était pas encore le 1er avril. Et bien sûr, t'as les gens qui m'encouragent, etc., etc. Ce qui fait que je me retrouve actuellement à presque 4 millions de vues et 500 000 likes, donc un demi-million de likes. Et il faut savoir aussi que je n'ai aucune, grâce au fait que j'ai percé sur TikTok, j'ai aucune vidéo actuellement qui est en dessous de 3000 vues. Donc là, actuellement, j'ai à peu près, je crois, une cinquantaine de vidéos. Puisque je poste un TikTok par jour, j'ai aucune vidéo en dessous de 3000 vues. Et la moitié, plus de la moitié de mes vidéos, elles ont plus de 10 000 vues. Et c'est incroyable. Quand j'ai posté cette vidéo, franchement, j'avais 50 vues, 100 vues par vidéo. J'avais 60 abonnés. Et je pensais même pas arriver en fait à avoir 3 millions de vues. 18 000 abonnés, enfin j'ai presque 20 000 abonnés sur TikTok. Enfin ça n'a aucun sens. Et merci s'il y en a qui vont voir cette vidéo. Parce que c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. J'ai même pas les mots en fait. Juste merci. Merci de partager la vidéo, même si c'est un mal, même si ça se fout de ma gueule en disant que je suis trop moche pour qu'un mec me suive, etc., etc. Merci en fait. Voilà, juste merci. Merci d'avoir partagé la vidéo, merci de vous être abonné. Je vous avoue que si on pourrait avoir 3 millions de vues et 18 000 abonnés sur YouTube, ce serait bien aussi, mais c'est un bon début. Mais merci. Merci pour les 3 millions de vues, merci pour les presque 20 000 abonnés. Je pensais pas que je réussirais à percer un jour sur TikTok, comme ça, comme quoi, fallait juste qu'un mec me suive dans la rue et que je mette ma vie en danger en me filmant pour percer sur TikTok. Donc merci. Merci à tous et je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, journée, tu connais les bails. Hein.